Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On S'en Parle. 50 ans de carrière, 50 ans de pur bonheur. Mesdames et Messieurs, c'est avec véritablement un grand bonheur et une grande fierté que je reçois cette grande artiste de chez nous, Madame Louisa Nicole. Madame Louisa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Louisa. Parce que dans mon intro, je disais 50 ans de carrière et 50 ans de pur bonheur. Est-ce que c'est ça? C'est en plein ça. <rire> <rire> ben oui, c'est... Bon, en fait, c'est 50 ans et un petit peu plus parce que le bonheur a continué l'enfance, parce que j'ai commencé très tôt à, à faire du dessin. Puis, oui, exactement. Oui, oui, même à faire du commerce de peinture à 12 ans. Oui, exactement. On le sait un petit peu plus parce que là, là j'ai oui, fouillé. Oui. Moi, j'ai été fouillé, là, exactement. Partout. J'ai été un petit peu partout. J'ai demandé des conseils à beaucoup de personnes parce qu'on ne fait pas une entrevue comme ça avec une pareille artiste si on n'est pas préparé. Ça, Mais je... vous ne savez pas tout, par exemple. <laughs> ben, j'en sais pas mal. <laughs> euh, Madame euh, Madame Louisa, tiens, je, je vous appelle parce que j'aime tellement moi, le, le, le prénom Louisa. Mm -hmm. J'adore ce prénom-là. Euh, C'est oui, 50 ans de pur bonheur. Oui, oui. Oui. Euh, le, incluant les beaux-arts aussi, à oui, Québec. Oui, exactement, oui, exactement, oui. En fait, à un moment donné, je réfléchissais, je me disais, les plus belles années de ma vie, là, euh, ont été celles... Ben, en fait, celles des beaux-arts, entre autres. Puis aussi, le, le, toute la, la partie créative, ma vie de créa de création, même, c'est pas juste dans le domaine des arts, c'est euh, aussi euh, actuellement, ma retraite aussi, c'est un, un pur bonheur, mais c'est pas vraiment une retraite, parce que c'est une retraite de l'enseignement, oui, oui, c'est une exactement. retraite de Radio-Canada, mais c'est une, une, une partie créa, de, de création encore dans ma vie. Là. Et vous continuez votre passion. Oui, oui, oui. Euh, oui Mais ça, il n'y a pas de retraite pour ça. Là, non, 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 <laughs> c'est ça, là, non, non, c est, c est ça vous, vous avez bien raison. Madame Louisa, est-ce qu'on devient peintre ou on est peintre? Ben moi je pense qu'on est peintre ou artiste parce que euh, pour moi en tous les cas oui, c'est oui. une période dans mon enfance j'étais déjà éveillé à ça je pense que je suis né comme ça mais euh, peut-être qu'il peut qu y a des gens qui ont une période de latence puis qui découvrent ça plus tard, comme il y a bien des personnes âgées à Palmarol actuellement, qui découvrent qu'elles avaient une partie créative de, de création dans leur vie euh, tardivement, là, parce qu'il y a des ateliers au foyer Monseigneur Hald, donnés par des artistes de la région. Et puis, euh, elles, elles, elles découvrent qu'elles ont du talent, qu'elles découvrent la couleur, et des choses comme ça. Donc, c'était en eux, mais ce n'était pas développé. parce ben, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont eu des obligations qu'ils ont détournées voilà, et asservies dans du quotidien, oui. dans le côté de survie, euh, le côté de défricher, le côté. En fait, pour les régions où tout était à faire, mmh. eh bien, euh, elles ont eu à être une avoir de la créativité, mais ailleurs. Voilà. Hein? Voilà, exactement. Puis, puis tout à coup, euh, Vient un atelier de peinture, puis là, vous découvrez que ces personnes-là, mon Dieu Seigneur, ils, ils ont un nom, et c'était oui. en eux. Oui, c'était oui, en eux, et ça dormait oui. euh, à cause de l'urgence oui. des autres choses. Et puis j'ai vu des gens chose. qui avaient une structure. Parmi ces gens-là, j'ai découvert des gens qui avaient comme une structure d'architecte ah oui. dans leur créativité, des choses comme ça, là, puis qu'eux-autres même ne connaissaient pas. Oui, exactement. Parce qu'ils ont fait autre chose de bien aussi, puis tout d'un coup, là, c cette autre chose-là est terminée par rapport à l'âge, à la retraite, etc. Là, on s'assoit, puis on se fait découvrir qu'on a autre chose également, oui. mm -hmm. c'est un peu ce qui se passe là, oui, avec oui. les personnes du oui. troisième âge. Sauf dire. que moi ça c'est, je, je l'ai découvert toute voilà. jeune, toute jeune. Exactement. Et j'ai pas eu d'autres éléments d'urgence. Mon urgence c'était celle-là. C'était celle-là. Oui. Et non pas autre chose qui a pris la place de cette urgence là. Oui, c'est ça. Et Maintenant... puis l'urgence demeure encore <laughs> parce que <laughs> oui, ai pas fini avec ça. <laughs> Madame, euh... oui ça, on, on... On va commencer là, au, au tout début, là, bon, mais tout ça a débuté comment? Bien, ça a commencé peut-être le, le, le fait de À douze ans, j'ai lu dans le sélection du radio Digest, euh, qui était un, un mensuel que ben oui, oui. tous les parents ah, de, de T avaient ça. Avait avait ça. ça oui. En 1955, j'avais 12 ans, et en plein milieu du, euh, du, de la revue, il y avait quatre pages sur la vie. D'une peintre française qui s'appelle Rosa Bonheur, qui okay. s'appelait Rosa okay. Bonheur, et qui peignait euh, qui des chevaux. Okay. Et moi, toute petite, mon père dessinait des petites poules, des vaches, des cultivateurs cultivateur, il était habitué d'avoir des animaux autour. Mm -hmm. Et euh, moi, je dessinais des chevaux aussi. Et quand j'ai vu ça, puis qu'elle avait fait toute sa vie comme peintre, à faire la photo d'un grand tableau qui, qui est aujourd'hui au musée métropolitain de New York okay. un tableau de 19 okay. pieds de long par 9 pieds de haut oh, okay. et qui est en... et euh, cette peinture là elle a eu une renommée euh, en Angleterre aux États-Unis elle était une amie de Buffalo Bill et pour donner son nom c'est Rosa Bonheur ah, okay. et Rosa Bonheur euh, c'est pour la remercier de ça c'est ça m'a inspiré parce que quand j'ai vu ça, quand j'ai lu sa vie, je me suis dit, on peut faire ça toute sa vie. Dessiner des chevaux, dessiner, peindre. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? 12 ans. 12 ans. Oui. Vous, là, à 12 ans, c'était ancré là. C'était une révélation pour moi voilà. qu'on pouvait faire ça. Exactement. C'est sélection du Reader, juste en ouvrant au milieu que vous avez. Oui, la vie de cette peintre là okay. et qui faisait des chevaux et puis qu'elle a, elle a vécu euh, pendant de 1822 à 1899 euh, en France et elle, a, elle était une des peintres préférées de Napoléon III Rosa Bonheur ça vous a suivi oui tout le temps. Oui, parce que Rosa Bonheur, euh, quand j'ai euh, décidé d'ouvrir une école de beaux-arts, vu voilà. que elle, mm -hmm. Rosa Bonheur, avait jamais pu aller dans une école de beaux-arts parce que les filles, il faut le savoir, n'étaient pas admises dans les écoles de beaux-arts. Les femmes n'étaient ouais. pas admises pour, comme étudiantes dans les écoles d'art. Non. Ah, non? Non, parce qu'elles devaient apprendre à broder, à faire peut-être un petit peu d'aquarelle. Puis, il y avait des petites... À l'école, il y avait peut-être des petites institutions où on l'apprenait à, à, à manier un peu le, la couleur, mais euh, elles n'avaient pas le droit d'aller à l'école des beaux-arts, c'était considéré comme un, un endroit de perdition pour les filles. Mmh, Donc, son père était mmh. professeur mmh. dans une école d'art pour filles, dans une école de, pour filles, il enseignait la, quand même le dessin pour, dans des, dans des co petits collèges de filles. Okay. Et puis, elle, elle a surtout fait l'école buissonnière. Okay. Alors, elle a, elle a peint, puis elle a passé toute sa vie à peindre. Et quand les, les femmes ont été acceptées à l'École des Beaux-Arts, c'est arrivé quand? Bien, je pense que Rosa Bonheur a pu le voir en France dans les 1880... Euh, euh, -tu peu, oui, 85 à peu près. Oh, mon Dieu, OK. Oui, oui. À la fin de sa vie, elle a pu voir ça. Et puis, euh, mais à l'École des Beaux-Arts de Québec... Euh, en 26, quand l'École des Beaux-Arts de Québec a été ouverte, les filles étaient acceptées. Okay. Mais il y avait une maj majorité d'hommes à l'École des Beaux-Arts à ce moment-là. Okay, moment ouais. et, et tranquillement, les filles se sont intégrées à l'École des Beaux-Arts. Oui, ben, euh, Dès le début de l'École des Beaux-Arts de Québec, Québec, les filles oui. étaient là, okay. sauf qu'elles étaient moins nombreuses que les garçons. Okay. Euh, à la Maison de la Culture à Amos, euh, vos œuvres y ont été exposées pour vos cinquantaine de carrière, dont une, entre autres, un dessin que vous avez réalisé à l'âge de 12 ans. Oui. Et vous l'avez encore. Ben, Ce n'est pas moi qui l'ai, c'est un, ah, okay. un collectionneur qui me l'a prêté, le fils de ma cousine, mon petit cousin, qui, euh, qui à qui j'ai demandé de me le prêter parce que ma cousine Mariette m'avait demandé le portrait de son chien Poppy. Euh, puis j'avais à peu près 12-13 ans à ce moment-là quand je l'ai fait. Et puis, euh, puis euh, c'est une commande, en fait. Et euh, j'ai commencé à vendre des dessins à ce moment-là. <laughs> Donc, à 12 ans. Oui, oui. J'ai ah. vendu ce dessin-là à peu près 12-13 dollars. Alors, c'est à peu près le salaire, le tiers du salaire de quelqu'un d'une semaine à l'époque. <laughs> Parce qu'en 55, quelqu'un gagnait peut-être 35 à 40 dollars par semaine. Okay. Hein? Ouais. Donc 12 dollars pour un dessin, même 10 dollars. C'était bien payé. C'était très bien payé, oui. Euh, C'était un chien que vous avez fait Un, petit chien, un oui. petit chien, oui. Et cette peinture-là, ce dessin-là, existe encore à la aujourd'hui. Oui, il est à la gouache puis il est encadré, c'est ma, ma cousine, elle l'a encadré, et puis euh, euh, il est encore là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait de, de revoir ce dessin-là? Ben, Est-ce qu'on se remémore notre passé? Ben, ça m'a fait, fait me souvenir ce que j'ai fait. Tout... Oui, oui, oui. Et puis aussi, ce, ce dessin-là m'a amené, parce que quand ma cousine était toujours vivante, lorsque j'ai ouvert ma galerie d'art à Palmarol, elle est venue me le montrer. Ah, okay. Elle a apporté à la galerie pour me dire te souviens-tu de ce dessin à la gouache que tu as fait pour moi Puis là, ben, j'ai vu ça. Puis il y avait une voisine aussi, Mme Breton. Son mari, Alfred, voulait avoir un cheval. Ah, okay. Un cheval cambré. Okay. Ça veut dire qu'il qu portait, qu'il était en, oui, oui. en hauteur. Là. Oui, oui, exactement. Oui. Et puis il voulait être noir. Alors, j'ai fait un cheval noir à la gouache pour le même prix, probablement, parce que là, je ne me souviens pas de tout. À, y avait, cet âge là encore. à cet âge-là, À cet âge-là, à peu près, là, aux, aux, aux environs de ça. Puis, il y avait le mari de la coiffeuse aussi qui m'avait commandé mais un cheval blanc, cette fois-là. <laughs> puis, il voulait aussi cambrer. Alors ça, c'est donc dire qu'à cet âge-là, vous saviez que le dessin, la peinture pour vous, c'était votre vie. Oui. À 12 ans. Oui c'est que finalement, je me suis rendu compte... Petit à petit, que les, les événements puis les, les décisions que je prenais, j'avais pas de parents qui me contrariaient, même s'ils si ils craignaient que je crève de faim toute ma wow, vie. Ça, hein. c'était euh, la grosse crainte. Ça, et les musiciens, là, oui, oui, le, le, oui, la oui. grosse crainte. Les parents. Mais ce qu'il c'est que, que ma, mes parents ont dit tu vas prendre un cours de dactylo <laughs> et au de ce, où? au Kazou. <laughs> mais j'ai tellement détesté. Là. Vous avais eu mais, jamais besoin. Non, mais je l'ai <laughs> appris puis c'est bon sur l'ordinateur, hein? Oh. Hein, oui, c'est bien. bien hein. mais là, on Tout est le est monde aujourd'hui, aujourd aujourd <laughs> euh, Madame Louisa, pour payer vos études, là vous êtes à Québec. Pour payer vos études, vous vendiez vos œuvres sur la rue du Trésor à, Qué... à Québec. Moi, j'ouvre juste une parenthèse. La rue du Trésor, oui. à Québec. Moi, mon fils demeurait à Québec. Il demeurait très longtemps à Québec, et je, je me faisais un devoir. D'aller sur la rue du Trésor à chaque fois que j'allais à Québec. Mais mon Dieu, que c'est beau qu'il y a des. C'est là qu'on voit les vrais artistes. Là. Ils sont là, les vrais artistes. Et vous avez exposé là pour, pour payer vos, euh, vos études, pour payer. Oui, parce que, en fait, comme étudiante dans, dans les années 63, 64, mais il faut dire qu'avant, j'ai eu ma première galerie d'art à Amos en 63. Okay. Et l'été 64, si ma mémoire est bonne, quand à moi ça fait été ses 50 ans. Okay. Puis après ça, j'étais sur la rue du Trésor pendant ma troisième et quatrième année de Beaux Arts pour vendre mes dessins euh, sur la rue du Trésor avec une autre compagne qui était euh, à l'école des Beaux Arts en même temps que moi. Puis on se relayait parce que tous les jours sur la rue du Trésor ouais, oui, oui. à vendre là, c'est oui. très fastidieux. Alors on s'échangeait du temps okay. pour se représenter l'une l'autre. Et puis euh, d'ailleurs aujourd'hui je je, je suis encore en contact avec elle. Elle ah, vit oui. à Victoria, en Colombie-Britannique. Ah, oui, okay. Caroline Sadovska, ah, okay. qui était native de l'île d'Orléans et de Québec. Ah, un autre beau coin de Québec, l'île oui, d'Orléans, oui. mon mmh. Dieu. Fait que, mais on, on invite les gens de ceux qui ont, euh, qui ont une petite passion pour l'art, si vous allez à Québec, dirigez-vous absolument, absolument sur la rue du Trésor. C est, c est, le mot le dit, ce sont de vrais trésors. Mais moi, dans, quand je vendais sur la rue du Trésor, les dessins que je faisais, c'était des dessins euh, comme des thèmes de, de jeunes filles avec des chevaux. OK. Et il euh, y avait un thème qui revenait souvent et je changeais euh, des éléments du décor, c'était « j'ai un cheval dans ma baignoire <laughs> ». Ah, <laughs> mon Dieu! Ça prenait une grosse baignoire. Madame oui, oui. Une baignoire sur pâte, oui, oui, à l'ancienne, qui donnait oui. un petit. Puis là, je changeais la forme des rideaux, je changeais la, je changeais la forme de la robe de la jeune fille, la, ma... la manière dont la tête du cheval était placée. En fait, il y avait toutes sortes de, de choses que je modifiais, mais c'était un thème qui revenait souvent. Puis des jeunes filles aussi, avec des tournesols, okay. parce que le tournesol revient souvent dans ma vie aussi. Hein? Euh... Vous aviez quel âge à ce moment-là quand vous alliez vendre vos. J'avais 22 ans, 23 ans. OK. C'était dans les années 63, 64. ben moi, c'est de 63 67 que j'ai fait mes beaux-arts. OK. Alors, c'est dans ces années-là. Vous êtes native de Palmarol. Oui. Puis, vous quittez la région pour vos études à Québec. Oui. Ça a commencé là. Ou bien non, si. Quand, avant de quitter pour Québec. J'étais à, à Amos. Okay, vous vous J'étais à Amos au pensionnat euh, d'Amos, l'école okay. normale et la cour classique okay. d'Amos, qui était dans le même édifice, oui. l'institut familial aussi, regroupé chez les Sœurs de l'Assomption. Oui. Il y avait un atelier au quatrième étage, troisième étage, je ne me souviens pas trop trop, mais il y avait un atelier de peinture, d'art. On faisait de, de, de la céramique, on faisait de la mosaïque, on faisait de, du dessin. Euh, et euh, la couleur, de la peinture, puis il y avait des expositions chaque année. Et là, au mois de novembre, ma titulaire de 12e année scientifique me dit Louisa, tu trop dans l'une, tu es trop dans l'une va... en 12e année scientifique, on va demander à tes parents l'autorisation de t'envoyer à l'atelier à plein temps. Ah, OK. Alors, j'étais à l'atelier à plein temps avec Monique de Sainte-Marie, qui était une religieuse à l'époque, mais qui est aujourd'hui. Euh, Monique Mercier, la peintre Monique mmh. Mercier, mmh. qui a été représentée par la galerie euh, Beauchamp, qui a fait ses beaux-arts aussi. OK. En 67, vous travailliez pour Radio-Canada oui, jusqu'en ou... 1983. Oui. Vous faisiez quoi? Moi, j'étais graphiste. Ça Et... veut dire euh, tout, le, faire quelques titres d'émissions, comme le Donald Lautrec Show, euh, faire des des illustrations pour des contes pour enfants ou illustrer des 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 des, comptines. Euh, des illustrations pour femmes d'aujourd'hui, pour les poètes parce qu'il y avait dans femmes d'aujourd'hui une partie littéraire où certains comédiens ou comédiennes disaient des textes de poètes ou d'auteurs connus euh, tels que euh, 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 comme les blasons du corps féminin dit par Gérard Philippe sur disque, il y avait des, des... Puis Miron, des poètes comme Miron. Alors oui, oui. Alors toutes des poésies comme ça et aussi euh, il y avait des thématiques des... parfois aux émissions comme euh, la femme, la... quelle est la femme, la place de la femme dans le cinéma québécois. Donc avec l'allégorie de Alice au pays des merveilles qui fait qui est parfait trop grande oui. ou qu'on rapetisse. et quand... alors ça faisait une allégorie, est-ce que la place de la femme on l'idéalise? où on la diminue, où on la, ou la, la vulgarise dans le cinéma québécois. Est-ce qu'elle a sa place dans, comme, comme décideur? Oui, oui. Est-ce qu'elle a sa place comme comédienne ou comme script, comme auteur ou non? Hein? C'est ça, parce que quand on parle des années 60, c'est le débat on oui. parle. Exact, là, on parle un petit peu de la de la Révolution oui. chez la femme. La Révolution Donc, tranquille, tranquille aussi. Tranquille. oui. Ben, la, le oui, Réveil avec du elle, Québec, avec oui. Jean Lessage. De, oui, puis il y a il y a René Lévesque et tout ça. mais René Lévesque et ça. Mais je veux, je veux en revenir... Sur la femme, euh, qui s'était un peu caché, Et d'un coup, de, euh, vers le, le milieu des années 60, on parle de Daniel Ouimette, etc. Oui, d'émancipation. Et voilà, exactement. C'est là qu'on a ouvert les portes. Oui, oui. Euh, à ce alors, l'émancipation, la révolution oui. sexuelle. En fait, tout, tout est. Tout est arrivé à la fin des années 60. 60, ben, à, à compter de l'expo 67 aussi, oui. qui nous a ouvert sur le monde. Bon, hein? oui, 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 exactement. Alors, c'est ça. Moi, ouais, si je vous demandais, à brûle pour point, comme ça, qu qu'est-ce que vous aimez mieux peindre? Quelle sorte de peinture vous vous sentez le plus à l'aise de faire? Est-ce que c'est un visage, un animal? Euh, Est-ce que c'est un, bon, un paysage, une nature morte? C'est quoi que vous aimez, là? Ou vraiment? Parce que moi, je vous ai vu peindre. Mm -hmm. Et vous avez fait mon... Vous m'avez mis en pénitence pendant une heure de temps. Oui. Je pouvais pas parler, je pouvais pas rire. Ah, oh, ça, c'est la vraie pénitence, hein? Ah, ça, la... Surtout pour <laughs> moi, là, c'était vraiment... Vous, il y a même une peinte qui a dit, « Oh, Gabi, oh, pas parler pendant, pendant une heure. Oh, je sais pas si je vais être capable. » Mais on s'en est bien sorti quand oui, même. Oui, oui, oui. Mais euh, vous avez fait mon portrait. Euh, c'était fabuleux. C'était vraiment fantastique. Et la semaine suivante, c'était mon épouse qui était là, qui... Mm. Qui recevait le même traitement. Dans quel genre de peinture vous êtes le plus à l'aise Je vous demanderai Ben moi c'est ben j'aime faire le portrait. Ça peut être le portrait seulement que le visage, mais ça peut être le portrait plein pied de quelqu'un. Ok. Ça peut être le portrait d'un animal aussi. Okay. Comme j'ai fait beaucoup de portraits de chevaux. J'aime pas faire de décors comme tel. Euh, j'aime pas faire des paysages. Ah ok. J'aime moins le paysage. Parce que c'est plus aléatoire. C'est-à-dire que j'aime bien être contrainte avec des difficultés. C'est-à-dire qu'un arbre qui a une branche plus longue, il n'a pas l'air infirme. Mais quelqu'un qui, qui a la joue trop gonflée ou qui a le menton trop long, tout de suite, il ne se ressemble plus. Okay. Hein? Ou oh, quelqu'un oui. qui a une jambe, jambe mal attachée ou une épaule qui est, qui est un peu disloquée, ça, ça paraît. Okay. Alors, j'aime bien avoir des contraintes comme ça pour me dire. Ramasse-toi, Louisa. <laughs> Ramasse-toi. Parce que quand euh, vous avez fait notre portrait, euh, la première des choses, et, et vous avez fini avant tout le monde. <laughs> ça, je me souviens très bien. Ça avait tellement été vite. Mais c'est sûr que l'expérience est là aussi. Là. Mais moi, quand je, les gens me demandent combien de temps ça me prend, je me dis toujours 50 ans et une heure ou deux heures. <laughs> <laughs> C'est bien répondu. <laughs> euh, donc, vous êtes à l'aise un peu, sauf les natures mortes. Bien, les natures mortes, j'en ai fait un, une période que j'appelais euh, l'été à Palmarol. Okay. C'était une thématique mm -hmm. et c'était dans une recherche de couleurs plutôt. C'est-à-dire... Euh, euh, la, les fleurs, les fruits, ça amène un défi de, de, la, de la coloration. Okay. Alors, ça, ça m'intéressait pour ma recherche au crayon de couleur, okay. surtout. Puis aussi, j'ai eu une recherche de drapé. Euh, à un certain moment, les natures mortes m'ont amené à intégrer le drapé, puis aussi le modèle vivant sur une chaise, parce qu'on met souvent un drapé. Quand le modèle vivant est nu, on y met un, un linge sur la chaise. Pour comme salubrité ou quelque oh, chose oui, comme ça. Oui, Et oui. ce drapé-là qui est sur la chaise, euh, un coup que le modèle est parti, il y a comme une espèce de vide, une absence. Mm -hmm. Puis ça, ça m'appelait, okay. cette absence-là. Parce qu'il y avait encore les, 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 les plis écrasés par la oui, présence du la modèle. Présence. Euh, de sorte que, puis aussi le mouvement des jambes, où il avait placé ses jambes, parfois le, le drapé était tassé sur la chaise, ou, puis le, 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 le coude s'était placé là, puis tout à coup il y avait comme un creux, de sorte que euh, ça, ça m'appelait parce que, euh, puis surtout qu'aux beaux-arts, j'ai détesté faire des drapés. Ah, Et pourtant, okay. pourtant... On, on est plein de contradictions dans la vie. <laughs> oui, exactement. Euh, Alors, j'ai découvert le drapé par les natures mortes et par l'absence du modèle vivant. Et par. OK. Euh, Est-ce que, est -ce que vous, vous faites du nu? Oui. Ça, c'est la chose qui me plaît le plus. OK. Oui. Parce que y a le, le corps à nu, ici, aujourd'hui, regardez, avec ce vêtement-là, on peut placer la ligne où on veut pratiquement oui. Oui. sans que le corps ait l'air. Euh, infirme ou oh oui. euh, tandis que le, si le bras est à nu, euh, faut que la musculation soit bien placée pour pas que euh, on ait les bras de Popeye. Oh. Hein? <laughs> <Oui, exactement. rire> Est-ce que vous avez de la difficulté à vous trouver des modèles nus Ben, quand j'étais à Montréal, c'était plus facile Ça, parce par qu'il y, oui, y a des professionnels qui font leur vie et il y a des danseurs, des gens de oui. métier, euh, des comédiens, euh, des gens de de toutes sortes, mais aussi beaucoup de danseurs euh, qui connaissent leur corps et de danseuses qui gagnent en surplus de leur métier, oh oui. euh, leur vie avec ce métier-là. Et euh, c'est parce que c'est des gens qui connaissent comment ils peuvent tenir une pause, comment équilibrer pour pas être fatigué dans la position pendant un certain temps. Ou bien s'ils ont des défis à faire comme des deux minutes, parce que toute la partie de croquis de mon exposition que j'avais à à Moss cet été et à La Sare l'été dernier, où il y ouais, avait une sortie d'une ouais. partie de croquis euh, qui sont montés en tableau. Bien, ces pauses-là de deux minutes, de quatre minutes, euh, ça, ça va vite pour changer de pause. Hein. Oui. Et un danseur est capable d'être intéressant sur tous les côtés, ou une danseuse, oui. parce qu'ils connaissent de quoi ils ont l'air par en arrière, puis par en avant. La torsion du corps, tout ça est important. Et c'est ça, ça qui m'intéresse beaucoup, cette présence-là. Okay, Parce fait... que ce n'est pas le corps, le bras pour le bras, c'est la présence du modèle qui signe, son caractère qui signe la pose. Donc, je reviens à ma question. Ici, en Abitibi, est-ce que vous en avez des modèles nus? J'en ai eu quelques-uns, mais c'est plus rare, c'est plus okay. difficile à trouver. Parce que les gens quoi, ils ne veulent pas se faire reconnaître, ou je suppose... Mais c'est parce qu'il y a un tabou. Ouais. Moi, le, oui. la, le corps humain, c'est le grand sujet de... Le corps animal aussi, parce okay. que nous sommes des animaux. Le corps est mon grand thème. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a rien sans le corps. On le voit quand les gens perdent la mémoire, l'Alzheimer. Oui. C'est un défaut du corps. À un moment donné, ils ne sont plus habités par leur histoire. Ils ne savent plus qui ils sont. Euh, hein, ils ne savent plus qui ils aiment. Donc, pour moi, le corps, c'est le siège de tout. Donc, Madame Louisa, euh, vous revenez en Abitibi-Ouest en 2011. Oui. Euh, et vous ouvrez une galerie d'art dans une grange qui est située en arrière. Ah, c'est pas la galerie d'art. Non, c'est l'atelier. Ça, c'était l'atelier. C'est l'atelier, OK. C'est l'atelier avec l'école. Mais ça, c'est depuis 80. Euh, depuis euh, l'école de beaux-arts que j'ai ouverte là. Okay. Depuis 83, à peu près. Parce okay. que la galerie d'art est au village. OK. Elle, elle est au village et elle... l'autre, elle est derrière votre maison. Oui, c'est un atelier pour donner des cours. Pour okay. faire les, le portrait aussi, faire des ateliers de portrait. Mm -hmm. Et euh, c'est ma, ma production personnelle aussi que je fais là. Trouvez-vous que chez nous, on va parler de la BTB Témiscamingue, qui est peut-être plus, peut plus particulier à la BTB Est-ce que vous trouvez que les gens s'intéressent à l'art? Moi, je ne trouve pas assez. Mais pourtant, ça fait partie de leur vie, puis ils ne savent peut-être pas euh, la beauté des voitures. Euh, la beauté des animaux, mais ils ne le voient pas. La beauté, de, pour un sujet qui est d'actualité pour moi, là, mm -hmm. la beauté de l'architecture de leur grange. Et, oui, et, oui. et ils ne sont pas sensibles à ça, parce que nous, on, a, on veut à, pour le centenaire de Palmarol, parce que euh, vous avez parlé des centenaires, euh, du centenaire de certaines municipalités oui, oui, oui. dernièrement. Euh, à Palmarol, c'est dans huit ans, en 2026. Okay. Et on a une politique, le comité de développement de Palmarol, pour garder nos granges. C'est un patrimoine d'architecture. Hein? Ben, oui, Alors oui, pourquoi oui. qu'on les défigurerait, pourquoi qu'on les laisserait aller hein? Au prix, ça coûterait en construire une aujourd'hui. là? faut euh, mettre un petit peu de, de notre énergie ben, oui, pour exact. les garder. Oui. Hein? Puis, garder. Le cachet, oui, oui. surtout, qui est oui, important. Oui, oui beaucoup, de ne pas beaucoup. les défigurer ah, non, avec de la tôle et du plastique. Non, là, non, il hein? faut, faut les garder avec du bois. Oui. Puis moi, j'adore le bardeau de cèdre. La... Là, on est d'accord, <laughs> tous les deux, soyez sans <laughs> inquiétude, parce que j'ai un chalet puis il est tout fait en bardeau à l'intérieur. Oui, tout, oui. tout, tout, tout. Puis c'est vraiment. Euh... Euh, extraordinaire. Madame euh, Louisa, c'est tout le temps que nous ah, oui. avions déjà. Bien, oui, ça passe vite hein, en bonne compagnie <laughs> comme, comme vous, Madame Louisa. Euh, moi, je vous dis merci euh, de votre présence à cette émission. On peut dire que c'est vraiment euh, 50 ans de carrière, 50 ans de bonheur et je vous dis que pour moi, ce fut un réel bonheur et un privilège. De Bien, je vous remercie, vous Monsieur Lacasse. Bien, M. Lacasse. Ça m'a fait grand plaisir. Puis, s'il vous plaît, continuez votre belle œuvre. Je ne peux pas faire autrement. Oeuvre. Je ne peux pas faire autrement. Non, parce que... Non, <laughs> puis il ne faut pas non plus, parce que les gens vous adorent. Puis, en tout cas, si vous avez la chance de voir les œuvres de Mme Louisa, allez voir ça. C'est vraiment extraordinaire. Madame, merci beaucoup. Puis, continuez votre œuvre, votre s'il vous plaît. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.